Hey, regardez! Touche pas à ça, vieux! C'est trop dangereux ici! Quand est-ce que le patron arrive? Il va venir. Riley dit qu'il a vu Batman. Il est là aussi? À Arkham City. Pourquoi il viendrait ici? Vous feriez mieux de vous détendre un peu. C'est Batman! Qu'est-ce qui se passe? Désolé de vous décevoir, les gars. Ce n'est rien comme moi. Arkham City va partir en fumée! Je vais te tuer, salope. Tu vas crever, mordu. Arkham City sera ton terminus! Maintenant que leur compte est bon, il est temps de prendre ce que je cherche dans ce coffre. Essaie un peu ça sur moi, mon petit Harvey. Je te le déconseille. Monsieur Wayne, nous avons beaucoup à nous dire. Strange. Vous ne vous en tirerez pas comme ça. Mais j'ai déjà réussi. Ici Vicky Vale, pour un reportage en direct d'Arkham City, la super prison controversée se trouvant au cœur de la ville de Gotham. Dans quelques instants, Bruce Wayne sera avec nous en direct pour s'expliquer sur son intérêt soudain pour la politique de Gotham. Le célèbre playboy millionnaire n'a jamais été du genre... C'est milliardaire, Vicky. Les millionnaires sont complètement dépassés. Je suppose que vous pensiez que vous étiez intouchable. Eh bien, comme vous pouvez le voir, personne n'est vraiment intouchable. Merci. Merci, Gotham. Mesdames et messieurs, emprisonnés derrière ces murs, des chefs de gang s'affrontent sans merci au milieu de notre ville, qui a perdu de sa superbe. Tous les détenus de l'asile d'Arkham et de la prison de Blackgate ont été transférés dans ce complexe pénitentiaire. Comment garantir la sécurité des habitants de Gotham? Fermez Arkham City maintenant! C'est le chaos total! Mais pourquoi donc? D'ici la fin de la soirée, je serai un héros. Tout comme vous, Batman. Aujourd'hui, je lance une campagne pour la fermeture d'Arkham City et pour rétablir la sécurité à Gotham. Attention, quelle est la sécurité? On t'a dit. Les mains en l'air, Wayne. On tient Wayne. C'est plus sécurisé. Je dois vous remercier. Il est plus facile de capturer Wayne que Batman. Maintenant que nous vous tenons, le protocole 10 est prêt à commencer. Ce sera mon héritage. Un monument à la gloire de votre échec. Et si vous essayez de m'arrêter, je vous garantis que tout le monde apprendra votre secret. Laissez-moi me présenter. Je suis le professeur Hugo Strange. C'est moi qui suis à la tête d'Arkham City. Jusqu'à maintenant, vous avez affiché un profond mépris de la loi, de la société et de vous-même. À partir d'aujourd'hui, tu n'as pas... Qu'est-ce que vous fabriquez? Vous pensiez qu'on vous entendrait pas? Laissez-moi! Je vais faire
Bienvenue à Arkham City, Wayne. Qu'est-ce que tu fabriques ici, Wayne? On a tué son majordome. Tu vas crever ici. Je vais faire de toi mon toutou, Wayne. J'ai dit à terre. Allez! Qu'est-ce qu'on attend, Wayne? File A. Allez! File A. Wayne! Eh, Wayne! Je la restaurerai que le pingouin a mis un prix sur ta tête. Vous deux, hors du chemin. Wayne! Venez donc par ici! Et maintenant, dérange. Je déteste le pingouin. Casse-lui la tête! Bruce Wayne! Ah, t'es sur ma liste. Arrêtez, les filles! Bang! On se bouge, prisonnier! Maintenant! Baissez vos armes. Monsieur Wayne ne posera pas de problème, n'est-ce pas, Monsieur Wayne? Laissez-lui les menottes. On ne voudrait quand même pas faciliter trop les choses, n'est-ce pas? Ferme les portes. Préparez-vous pour l'insertion. Je peux pas croire que je m'en ici. Bruce Wayne? Super. J'étais en reportage à votre conférence de presse, et maintenant on est là tous les deux. C'est ce qui arrive quand on s'intéresse à la politique, n'est-ce pas? Écoutez-moi attentivement. Quand la porte s'ouvrira, ne paniquez pas. Restez près de moi. Vous croyez que je vais suivre les conseils d'un type qui ne s'est jamais battu de sa vie? Restez calme. Ils essaient de nous faire peur. Désolé, vieux. Chacun pour soi. Debout, Ryder. J'ai dit debout. Et ben, regardez un peu qui est là. Viens-y, on en fait, mon petit boss. Faites vos rêves. Debout, debout, Wayne. Oh, on a un petit coup de mou. Tu veux que j'appelle ton majordome? Cobblepot. Oh, tu te souviens de moi? Oh, c'est touchant. Ta famille a détruit la mienne, Wayne. C'est... Eh bien, on n'a qu'à appeler ça une bonne vieille vengeance. Frappez-le! Je crois qu'il m'a cassé la main! Au secours! Sortez-moi de là! J'ai échappé? Comment c'est possible? Vous allez me le payer, ouais! Je dois absolument grimper pour contacter Alfred. Alfred, vous avez les coordonnées? Presque, monsieur. Il y a plus d'interférences que d'habitude. Il me faut un largage immédiat sur le toit de l'immeuble d'Ace Chemical. Je suis déjà en chemin. Bien sûr. J'ai regardé votre incarcération au journal télévisé du soir. Vous aviez prévu de vous faire arrêter depuis le début, ou je me trompe? Pas vraiment. Mais ça m'a permis de passer du temps tête à tête avec Hugo Strange. Et comment était-ce? Pas terrible. Il sait que Bruce Wayne est Batman. Il m'a aussi dit qu'un certain protocole 10 allait le rendre célèbre. Je ne peux pas quitter Arkham City sans savoir ce que c'est.
Est-il arrivé, monsieur ? Bill. Pirater leur communication. À toutes les unités, ici Air Tiger 4. On a confirmation que la détenue 4011 est au tribunal. Je répète, Catwoman est au tribunal. Est-ce qu'elle est en danger ? Affirmatif. La cible est retenue par Dent. Je pense qu'il a l'intention de la tuer. Comment doit-on procéder ? Arrêtez. Que Double Face puisse s'amuser. C'est compris. Ça ne me dit rien qui vaille. Vous n'avez pas tort. La prédilection de Monsieur Dent pour tout ce qui est binaire n'est pas de bon augure pour Miss Kyle. S'il y a quelqu'un à Arkham City qui sait ce qui se passe vraiment, c'est bien elle. Il faut que je retrouve Catwoman. Dans le secteur 2. C'est ce que t'as dit, Double Face. Il donne pas l'occasion de jouer à pile ou face. Si ça tombe mal, tu seras mort en un rien de temps. Ouais, comme Bailey. Exactement comme Bailey. Batman. C'est Batman. T'avais raison. C'est Batman. Le seul moyen de s'en sortir ici, c'est de réussir à se faire respecter. La peur ! C'est ce qui suscite le respect. Montre-leur comment ça marche chez nous. Mais il faut qu'on soit juste.
C'est une cour de justice, ne l'oublions pas. Justice. Tu l'as, ils nous craindront tous. Faites donc entrer l'accusé. Toi, on peut dire que tu sais t'y prendre avec les femmes, Harvey. T'aurais pas fait un peu de chirurgie? Ça, c'est pour nous avoir volés. Personne. Oh, je suis désolée. J'ai été un vilain chaton. Libère-moi, et je te revaudrai ça. Voyons voir si cette pièce pense ce que tu dis vrai. Le procès commence. Il suffit d'éliminer le type qui a l'arme. Sans lui, le reste de la pièce ne sera plus un problème. Deux opportunités. Rejoignez-nous pour créer une nouvelle porte à Arkham City. Et prendre le contrôle de ce lieu. Quand le clown mourra, la ville nous appartiendra. Nous dirigerons Arkham City. Ah, vous pouvez aussi partir maintenant. Et nous traquons sans relâche pour tout vous tuer. Mais arrêtons de parler des choses qui fâchent. Mais qu'est-ce qu'il fout là? Qu'est-ce qu'il fait? Notre ami Batman est arrivé. Chopez-le et coupez-le en deux. À son sort, c'est la condamnation à mort, Batman. Tu vas mourir, Batman. Une séance est en cours. Objection. Rejeté. Pile ou face, joli minou? Quelle face je dois choisir pour rester en vie? Ah, celle-là. Tu vas crever. Moi, je demande un sursis à l'exécution. Pas de flingue, Harvey? Dommage. Ça va te faire très mal. Deux flingues, quatre! Moi qui croyais que les chats étaient les seuls à avoir 9 vies. Ça balance, Harvey? Viens voir maman. Est-ce que quelqu'un t'a déjà dit que tu étais plein de surprises? Je me suis dit que tu aurais besoin de mon aide, Selina. Tu as raison. Je crois bien que je me suis cassé une griffe là-bas. Très drôle. Que veux-tu savoir, monsieur le détective? Le protocole 10. Qu'en sais-tu, Selina? Absolument rien. C'est pas ce que je voulais entendre. Et pour Hugo Strange? Je ne lui fais pas confiance. Il disparaît des années et d'un seul coup, il réapparaît à la tête d'Arkham City. On raconte qu'il bosse avec le Joker et qu'il prépare un petit cadeau très spécial, rien que pour toi. C'est peut-être ça, le protocole 10. Ah, de dire, cher Batou, qui va tuer ton gentil Batou? Cet ex-procureur ici présent a dit quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? À très bientôt, Batman. Cet endroit est très dangereux. J'adore ça. Tu attendais un baiser? C'était le Joker. Tu es en danger ici. Comme tout le monde.
J'ai 9 vies, tu sais bien. Je dois localiser l'endroit par où la balle est entrée dans le tribunal, ainsi que son impact. Si on te coince pas, le Joker le fera. La balle a touché le sol ici. Bon, par où est-elle entrée ? La trajectoire empruntée par la balle me mènera au tireur. Septembre. Les autres mois sont fameux pour... leur 31e jour. Mais le mois de février n'en a que 28. Et un 29e pour les filles, lors des années bissextiles. Qu'y a-t-il, Batman ? Est-ce que quelqu'un t'a brisé le cœur pour la Saint-Valentin ? La Saint-Valentin, la fête des amoureux. Mon amour, donne-moi ton cœur en février. Qu'y a-t-il, Batman ? Est-ce que quelqu'un t'a brisé le cœur pour la Saint-Valentin ? Il y a 30 jours en novembre. En avril, juin et septembre. Les autres mois sont fameux pour... leur 31e jour. Mais le mois de février n'en a que 28. Et un 29e pour les filles, lors des années bissextiles. Ils nous ont pas entendus. C'est merde. Quand je pense qu'on est encore dehors en pleine nuit. Bon, je me suis déjà excusé. Je me suis perdu. Espérons qu'on n'en meure pas. Il faut juste faire gaffe. On bouge quand ils se battent. Ils seront beaucoup trop occupés à s'entretuer pour nous chercher. Je comprends vraiment pas pourquoi ils sont prêts à se battre. Mais bon sang ! Vous êtes la dernière personne que je pensais voir ici. Qu'avez-vous fait ? Mieux vaut l'ignorer. Qui êtes-vous ? Qui j'étais, plutôt. Ici, je ne suis rien. Dehors, je travaillais pour la société qui gère la sécurité de cet endroit. Ouais, moi aussi. Ne me dites rien. Strange vous a envoyé ici. Ouais, cette espèce de salopard. Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Vous savez sûrement quelque chose de gênant. Essayez d'y réfléchir et faites-vous discret. De ces... Regardez, c'est Batman. C'est en... Je suis à l'église. On dirait bien qu'Harley Quinn est à l'intérieur. Cette horrible femme est sans aucun doute en train de vous tendre un piège. Ne vous inquiétez pas, Alfred. Quinn n'a jamais été une lumière. Tout ira bien.
Laisse partir la demoiselle, Batman. Ou on leur colle tous une balle dans la tête. Je crois que t'as intérêt à faire ce qu'il te dit. Ce serait du gâchis si ma superbe nouvelle tenue était couverte de sang. Qu'est-ce que t'en penses, Batman? Elle te plaît? Qu'est-ce que je raconte, voyons, évidemment, à qui elle ne plairait pas? Bon, enfin bref, je t'explique. Monsieur J ne peut pas recevoir de visite pour l'instant. Il ne se sent pas vraiment lui-même. Enfin, bon, c'était déjà le cas, mais... c'est pas ce que je voulais dire. Il a une petite baisse de forme et l'imbécile de médecin que j'ai envoyé n'a pas pu l'aider. Je crois que même ces crétins en ont plus dans la cervelle. Je dois y aller, les mecs. S'il tente quoi que ce soit, tuez-le. C'est du suicide d'attaquer des voyous armés. Je dois disparaître et les éliminer silencieusement, un par un. Ne bouge surtout pas, Batman. Ils ne savent pas où je suis. Bien, tâchons que ça reste comme ça. Il est temps d'inspecter la salle et de planifier ma stratégie. Quatre voyous, tous armés, et deux otages. Ça devrait être facile. Il faut qu'on sorte de là. Ils vont nous buter. Batman, tu m'entends? Si tu tentes quoi que ce soit, il a un otage. Je peux planer jusqu'à l'échafaudage au-dessus de lui sans être vu et l'éliminer depuis ce poste. Tu le vois? Où est-ce qu'il est? Je sais pas où il est. Je vois pas. Ça va. Ne dites rien. Reste calme. Batman, tu m'entends? Bouge-toi d'ici. Tire-toi si tu veux pas que cette sale garce se retrouve avec un trou à la place de la tête. Ouais, lâche-moi un peu. Ça va aller. Attendez ici et ne faites pas de bruit. Qu'est-ce qui se passe?